Je me demande si vous avez fait les bons choix la dernière fois. Voyons voir ce que vous allez faire. Heureusement que vous avez pris ces décisions la dernière fois. Ceci est notre histoire. Attendez! Voulez-vous vraiment continuer? Peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. À votre guise. Salut papa, je sors de l'hôpital demain. Ils m'ont dit que t'étais resté avec moi pendant que je dormais. Je suis vraiment navré de tout ce qui s'est passé. Je vais arrêter de prendre cette saloperie. Ça me détruit, ça me transforme en une personne que je déteste. Dis, j'aimerais bien passer te voir demain, si tu es d'accord. Je veux que tu saches que je suis fier d'être ton fils. Thank you.
Qui es-tu? Tu es entré. Je dois voir Karl. Karl ne veut voir personne. Pars maintenant. Je t'en prie. Je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il en est à te parler. J'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Karl. Oh. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Je suis complètement perdu, Karl. Le monde s'écroule autour de moi. J'essaie de prendre de bonnes décisions. De chercher des réponses. Mais au lieu de ça, je me heurte au doute et à l'incertitude. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres, la peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Qu'est-ce que je dois faire? Karl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi, quel choix me laisse-t-il? La vie est faite de choix. Choisir entre l'amour et la haine, choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre pour le changer. Tu es mon fils, Marcus. Notre sang n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux. Affronte l'abysse. Mais ne le laisse pas te consumer.
Norse était tout pour moi. Et elle aurait donné sa vie pour moi. Tu ne pouvais rien faire. Maintenant, on doit s'assurer qu'elle n'est pas morte pour rien. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Ils ont tué Norse sous mes yeux. Et je n'ai pas pu la sauver. Quelle est la situation? Ils conduisent les nôtres dans des camps pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Ils ont déjà construit 5 camps, rien qu'à Détroit. Ils construisent des camps à travers tout le pays. Ils se préparent à nous détruire. Ils préparent un génocide. Nos frères comptent sur toi, Marcus. Tu es le seul à pouvoir nous guider. Où que tu ailles, nous te suivrons. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus! Sauve notre peuple. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jéricho, j'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple.
Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage CyberLife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour CyberLife ? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez CyberLife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêt à me suivre ? Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu.
et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. S'il vous plaît, par ici! S'il vous plaît! Par ici, s'il vous plaît! Madame la Présidente! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion? C'est ridicule. Question suivante, je vous prie. Madame la Présidente! Madame la Présidente! Par ici! Par ici, s'il vous plaît! Madame la Présidente, l'opinion publique semble de plus en plus favorable à la cause des déviants, surtout depuis qu'ils ont adopté une approche pacifique. Quelle est votre réaction à ce sujet? L'opinion publique est une chose, la sécurité nationale en est une autre. Ces déviants sont dangereux, et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Madame la Présidente! Madame la Présidente! Que pouvez-vous dire sur la rafle qui a eu lieu hier soir? Le FBI a effectué une descente dans un cargo abandonné de Détroit hier soir à 22h45. À cette occasion, plusieurs milliers d'androïdes ont été détruits ou capturés. Les autorités quadrillent actuellement les rues pour s'assurer que personne n'est passé entre les mailles du filet. Elles vont débusquer les androïdes et les détruire jusqu'au dernier. Par ici! Madame la Présidente! Est-il vrai que les androïdes représentent 60% de nos forces armées? D'après vous, sont-elles encore capables d'assurer la sécurité intérieure? Nous avons neutralisé tous les androïdes militaires à la seconde où leur fiabilité a été mise en doute. La garde nationale a été appelée en renfort également. Nos forces armées sont pleinement opérationnelles et en mesure d'assurer la sécurité intérieure du pays. Par ici! Vous confirmez que de nombreux déviants sont encore dans la nature? Nous ne disposons pas encore des rapports complets, mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'ils seront vite appréhendés et détruits. Merci. C'est tout pour l'instant. Modèle Connor numéro 313, 248, 317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Agent 23 identifié.
Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Agent 54, niveau moins 49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. De se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Affirmé. Il en reste beaucoup. Regarde ça, c'est bien qu'il y a des rats. Plus tu cherches, plus t'en trouves. Tant qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. On te les aile carrément, là. Ça va prendre des semaines pour nettoyer ces trous. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance, bouge-toi. Allez, on se dépêche. Là-bas, regarde.
Ok, allons-y. Et toi ? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non ! Non ! Je vous en prie ! Saloperie d'androïde. Risquer ta vie pour me sauver. Où est Alice ? Elle se cache près d'ici. Kara, tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y avant qu'il vous voie. Alice ! Lutez ! Je croyais que t'étais mort. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare, mais ils m'ont arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps. Poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. On n'a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent. Je n'aime pas les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther ? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas ? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez ? Ma fille a passé la nuit chez une amie. On est allé la chercher, on rentrait chez nous. Il se doute de quelque chose. Peut-être. Tiens-toi prêt. Tout va bien, petite ? Elle tremble. Un problème ? Elle...
Elle a froid. On doit la ramener à la maison au plus vite. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Hey, attendez un peu. Il sait, Kara. Ils vont nous tuer. Surtout ne fais rien, Luther, tu m'entends? Ils vont nous tirer dessus. Ils vont tuer Alice. Vas-y. Il voulait juste me rendre ça. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, madame la présidente. On y est. Le moment de vérité. Rendez-vous immédiatement. Vous nous ouvrez votre feu. Tenez-vous prêts. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous. Vous nous devrons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Vous avez tiré sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Toutes les équipes, cessez le feu !
Oui, Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos cieux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Marcus? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. Restez aux aguets. Merde. Restez aux aguets. Merde. Maintenant, recule, Connor! Et je l'épargnerai! Désolé, Connor! C'est ton salopard de frère jumeau, là! La gare routière! On est arrivé, Alice, on a réussi! Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de tickets, ils nous laisseront pas monter. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Kara, ils contrôlent tout le monde. Ils ne vont pas tarder à nous trouver. On doit sortir d'ici. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas.
Marcus. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. On dirait qu'Oliver t'aime bien. Elle est à vous ? Oui. Elle est adorable. C'est bon. J'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein ? Oui, chérie, super. Dans mon sac. Allons-y. Désolée. Pardon, je suis vraiment désolée, je les avais. Oh non, mais c'est pas vrai. Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre? T'as bien regardé dans ton sac? C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard? Nos tickets de bus étaient dedans et... Mais c'est tombé. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée, chérie, je sais pas ce qui s'est passé. Allez. Ils étaient juste là, dans mon sac. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Vous avez vos tickets ? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé ? Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous ? Non, bien sûr que non. On doit finir la barricade. Allez, aidez-moi! Venez m'aider! Ok, ça devrait être bon. On sait tous que ça les arrêtera pas. Espérons qu'on gagnera du temps. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on l'a bien fait.
Les humains n'ont aucune pitié pour ceux qui sont différents. Tout va bien ? Ils ont tiré sur la foule. Tant d'entre nous sont morts. Ça aurait pu être moi. J'ai peur, je ne veux pas me désactiver. Si on est là, c'est parce qu'on en a assez de vivre dans la peur. Et parce qu'on est plus que ce qu'ils prétendent, c'est pour ça que nos frères sont morts. C'est pour ça qu'on est là. Ça les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut ? On résiste. C'est la seule chose à faire. Tu penses que Connor a une chance de s'en sortir ? On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Marcus ! Marcus ! Viens voir ! Marcus ! Je suis venu pour parler, Marcus. Écoute-moi. Tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. Non, n'y va pas. C'est un piège. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et s'il te tue ? C'est un risque qu'on doit prendre. Quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Vous me demandez de trahir mon peuple ? Je te donne une chance de sauver ton peuple. Y a pas d'issue, Marcus. La seule chose que tu puisses faire, c'est sauver ceux qui t'entourent.
Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps? Malheureusement, il n'y avait pas de journalistes pour leur sauver la vie. Ils sont morts. Vous êtes les derniers déviants. Je n'ai pas peur de la mort. Si je dois mourir pour mes convictions, alors ma vie aura servi à quelque chose. Tu pourrais être libre, Marcus. Et vivre parmi les humains. Tu pourrais avoir ce dont tu as toujours rêvé. Tu peux sauver ton peuple. Et gagner ta liberté. Il suffit juste de te rendre. Je préfère mourir ici, plutôt que de trahir mon peuple. Tant pis, tu viens de signer ton arrêt de mort. Qu'est-ce qui s'est passé, Marcus? Qu'est-ce qu'il a dit? Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourons aujourd'hui, au moins, nous mourrons libres. La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la Révolution? Surtout, l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Cet humain n'a pas d'importance pour moi. Tue-le si tu veux, ça m'est égal. J'ai accès à ta mémoire. Je sais que tu as développé un attachement envers lui. Es-tu vraiment prêt à le laisser mourir, après tout ce que vous avez traversé? Vas-tu réellement ignorer ce que tu es devenu? Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question,
dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse. Où est-ce qu'on s'est connus ? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité quatre autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien ? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom ? Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils ? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Réveillez-vous ! Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Contrôle frontalier. Tous les passagers doivent descendre du bus. Allez-y, avancez. Par ici, s'il vous plaît.
Allez-y. Au suivant. Au suivant. Un androïde ! Non ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Nous, maintenant ! C'est une erreur ! Je vous en prie ! Non ! Non ! Jerry ? Tu as risqué ta vie pour nous sauver, Kara. Si la petite fille et toi avaient besoin d'aide, je serais là. Vous allez où comme ça? Ma fille doit aller aux toilettes. De Jericho à la télé. J'ai eu tellement peur. Je pensais qu'il vous avait tué. Mais vous n'avez rien. Ils cherchent les androïdes. On ne pourra jamais passer. Vous n'avez pas le choix. Tu sais ce qui se passera s'ils vous attrapent. Détroit ? Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un ne nous dénonce. Mais où sont les autres ? Ils traversent la rivière en ce moment même. Adam et moi allons les rejoindre de l'autre côté. Vous m'avez donné l'adresse de votre frère. Vous croyez que je peux ? Bien sûr. Il serait ravi de vous accueillir, nous y allons aussi. Vous serez en sécurité chez lui. Avez-vous des nouvelles de Marcus ? Il proteste pacifiquement devant un des camps d'androïdes. Quoi qu'il arrive désormais, il est déjà entré dans l'histoire. Thank you.
Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère tenait tant à vous aider. Mais quand je vois ce que fait Marcus, je réalise qu'elle avait raison. Vous êtes vivant. Vous avez le droit d'être libre. J'espère que les gens finiront par le comprendre. Au suivant. Je peux voir vos papiers ? Je vous en prie. On veut juste être libre. Bienvenue au Canada. Nous interrompons ce journal pour un point spécial sur les événements à Détroit. Joss ? Oui, Michael. L'armée vient de donner l'assaut sur la barricade malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique. Ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force cette fois-ci. Thank you.
Merci, Michael. À vous, les studios. Ah, attendez une minute. Quelque chose est en train de se passer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. C'est incroyable. Les déviants. Les déviants se sont mis à chanter. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. L'heure de cesser le feu. On dirait que... Oui, l'armée bat en retraite. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, à l'aube, des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. L'évacuation de la ville a lieu en ce moment même. Dans les heures qui viennent, je m'adresserai au Sénat afin de définir notre plan d'action face à cette situation sans précédent. Je suis consciente du fait que l'opinion publique a été touchée par la cause des déviants. L'heure est peut-être venue pour nous d'envisager la possibilité que les androïdes soient une nouvelle forme de vie intelligente. Une chose est sûre, ce qui s'est passé à Détroit a changé le monde à jamais. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Ils attendent que tu leur parles. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence.
Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Amanda ! Amanda ! Qu'est-ce qui se passe ? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro ? Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pour quoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda ! Il doit y avoir un moyen. Mettre derrière nous notre amertume et penser nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été nos créateurs et nos oppresseurs, c'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Et peut-être même un jour nos amis. Le temps de la colère est révolu. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres!
j'ai une confidence à vous faire. En vous regardant jouer, quelque chose a changé en moi. Je me sens différente. Comme si j'étais quelqu'un maintenant. Il va falloir que je quitte cet endroit pour découvrir qui je suis. Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais. Je ne serai plus là pour vous regarder jouer. Mais je serai libre. Acceptez-vous de me laisser partir ? Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her, because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right?